Gianluari, Tranier, Grosso, Grosso, tout en puissance. Grosso tout seul. Ouais. Grosso s'est pas marqué, c'est énorme. Grosso l'aura vu. Oh, quel exploit. Superbe. Ah oui, il y a un avantage en cours. Et derrière la mêlée, on a inversé la belle passe de Barthélémy pour Palis. Même s'il n'y a pas beaucoup d'espace pour Pujol, sollicité, retrouve Palis intérieur. Antunes qui tente de loin, mais il se sent cette pénalité. Il a la distance, il a la précision. Ouais, ils sont dans un... Ménadier, ouais, c'est bien détourné par le nouvel entrant. Mathieu André, Marquez, il y a des solutions, il y a des belles passes dans le mouvement avec Pierre. Oh, il est facile. Ça fait bien 5 grosses minutes qu'ils essayent, qu'ils campent devant la ligne d'en but albigeoise. Est-ce que ça va finir par passer? Oh là, il est bien formé ce Moll. Et est-ce que ça s'écroule dans l'en but? Oui, non. Cibré, montée rapide de Kraska qui poursuit au pied. Et à la course, il va très vite. Kraska contre Suchier. Suchier le premier, Kraska qui récupère le ballon avec peut-être un en avant. Non, il transmet à Valérie Tenner. L'essai validé pour le capitaine d'Albi, on le compte. Albigeois qui fait mal au Lyonnais. Inscrit par Laurent Balus. Samuel Marquez, est-ce qu'il continue son 100%? Oui. Superbe. Et Clément, Cibré. Tranier qui a attendu le dernier moment un peu trop. Et attention, à tout bout, il va être en difficulté. Et c'est poursuivi au pied par Barthélémy. Barthélémy qui va aller marquer l'essai. Oui. Le deuxième essai albigeois qui va sceller certainement la victoire d'Albi, qui va faire tomber Lyon. Albi mène 33-12. Gros coup de froid, oui. Mais les Lyonnais qui essayent vaillamment autour de Lionel Nallet, le capitaine. Et on peut-être aller s'écrouler dans l'en but. Oui, peut-être. Et peut-être pas, refoulé au dernier moment. Et dans un deuxième temps, oui, l'essai. L'essai pour... Cibré, au bout il y a du monde, et il va y avoir l'essai, non il est gourmand, repoussé Jocelyn Grange, pourquoi pas l'extérieur. Juste devant la ligne, et Lionel Nallet qui aplatit, dans un deuxième temps l'essai.